Bonsoir, nous présentons le bulletin nouvelle pour ce mercredi le 7 mars. Nous commençons avec bon grand titre. Ministre pour tourisme, il avait dit bon l'établissement touristique illégal qui action pour prendre compte d'autres à partir de 13 samouan. Résident qui restait dans environnante station électricité, ben c'est un pralin, il dit que le gouvernement peut prendre trop beaucoup de temps pour donner d'autres compensations. Et à l'étranger, le gouvernement Sri Lanka déclare un état d'urgence suivant violence dans un bon plus grand la ville Kandy. Nous passons à présent le bon détail. À partir des 13 samouan, bon l'autorité concernée pour commencer à prendre action contre bon l'établissement touristique illégal de pays. Département tourisme donne 3 mois pour sa bonne l'établissement illégal contacter les autres et faire bonne amélioration nécessaire pour les autres gagner un license. Et ministre responsable pour le tourisme, il dit il y en a plus qu'une centaine d'établissements touristiques illégaux de pays. Pas tout touriste qui vient de Cécile qui compte à rester dans un grand hôtel 3 étoiles ou bien plus. Un bon pays préfère un petit guest house, quand vous êtes capable de sentir qu'il y en a l'ambiance plus créole. Mais le ministère du tourisme dit que certains endroits qui peuvent donner sa service n'ont pas la licence et n'ont pas la facilité nécessaire pour fonctionner. Le ministère du tourisme dit qu'il y en a qui ne peuvent faire aucune amélioration malgré qu'ils ont gagné 3 mois pour faire ça. De sa task force qui pour prendre action contre un établissement illégal, il y en a des officiers sortis du département du tourisme, un sorti de l'autorité licensing et des officiers la police. Sa task force pour commencer son travail le 13 mars. Ministre responsable pour le tourisme, Maurice Lustolalane, dit que pendant sa période de temps, il y a plus de 150 personnes qui contactent les autres pour qu'on procède pour gagner la licence, mais pas tout qui a amélioré la facilité pour gagner sa licence. Il y en a qui ont encore besoin de faire certaines modifications avec les autres endroits. Ministre dit que ça bande des gens pour gagner en considération, vu qu'ils ont besoin de temps pour améliorer les autres endroits. Ce qui peut arriver, c'est que la licensing authority, c'est lui qui a un mandat pour faire ça l'investigation. Ouais, so, il va amasser toute l'information, il va faire son investigation, il va envoyer au bureau attorney général, et le président attorney général, pareil, la loi est demandée, il va regarder si nous sommes capables d'emmener en cours ou bien non. Dépend de l'évidence qu'il nous a amassé. Et aujourd'hui, la loi SLA, il y en a un amende de 50 000 roupies, et on peut aussi faire un tour de prison, il dépend de la gravité de la situation, entre 1 à 5 ans. Et ça, c'est Ziz qui va décider. Donc, il n'est pas arrivé jusqu'à là-bas. Moi, mon parti est content, il arrive comme ça. Mais il faut espérer, tout le monde prend notre responsabilité sérieusement, et ça n'est pas le cas. Et dans un bon cas comme ça, c'est propriétaire, c'est l'établissement, c'est lui qui peut souffler pour casser, pas sa touriste. Directeur section standard et surveillance du département tourisme, Louis Denous, il dit qu'il est important pour un établissement touristique satisfaire sa bonne standard à cause du bien-être et sécurité touriste. Dépendant côté opposition hein, ou l'établissement in terms of density. Sur un high density area, on ne peut pas accepter malheureusement, même si on met nos physical standards. In terms of nos physical standards, nous demandons quelque chose pareil, 9 mètres carrés. Minimum pour la chambre, 4 mètres carrés pour la chambre, 6 mètres carrés pour la cuisine, et obviously, nous avons un lavaron et un dining area. Il y a une liste que le ministère de Tourisme fait concernant son établissement qui n'a pas encore gagné la licence. Le ministère dit que tous les semaines, des atouts touristes de l'aéroport ont besoin d'assister pour aller dans l'endroit légal après qu'ils ont découvert pour rester dans l'endroit qui n'est pas légal. Les habitants de Sainte-Anne-Pralin qui restent dans environnante station électricité PUC, ils disent que le gouvernement peut prendre trop beaucoup de temps pour donner d'autres compensations et pour les bonnes résidents qui ont décidé pour sortir dans cet endroit. C'est un point de sortie dans une rencontre qui est faite entre ces bonnes habitants et représentant plusieurs autorités en comptant PUC. Les bonnes résidents ont aussi gagné informé qu'ils sont capables de collecter formes pour compensation que le bureau district est rempli avant le 8 mars qui demain. La
Un résident peut faire comprendre panel qualité ta base qu'ils ont habitué tendé normalement sorti coûte sa générateur puis aussi. Une trentaine d'habitants qui assisté à une rencontre qui tient suivi dernière fois qu'ils ont tisoin ti 3 mois passé, mais sa voyage plusieurs agences qui présent tel qui la santé, l'agence transport de la terre, ministère l'infrastructure et la terre. PUC et l'environnement pour donner à PSI le quoi qu'il y a fait, en fait, pour évaluer l'existence de cette chose d'arriver. C'est aussi l'occasion pour l'autorité expliquer à cause de cette chose pourquoi il y a fait. Juste pour rappel, que l'opinion y va aller le 6 et ça qui pour bouser et ça qui est décidé pour rester dans cet endroit. Gouvernement infini d'identifier 20 carrés la terre, petit la ville, Marie-Jeanne Estate, pour 20 familles qui sont d'accord pour bouser. Et Pemazine ajoute encore plus carré la terre en cas de demande even plus à cause parmi 5 pour qu'on ait 6 autres pour sortir de cet endroit. Il y en a 5 familles qui peuvent reconsidérer pour autres sorties, mais il y en a qui dit non, autres pas peut bouger, mais n'importe décision qu'ils autres prend, ben l'autorité qui confirme qu'ils autres pour gagner compensation. Pareil madame Rita Didon qui dit il pas peut bouger, il peut espérer son compensation à cause ça ta passe machine, il affecte les autres trop beaucoup. Je ne prends pas une décision. Parce que je sais que je suis envie de sortir. Je suis pour l'hôpital, je suis malade. Je ne suis pas pour l'hôpital, je suis pour la banque de départ. Je ne peux pas faire ça, parce que l'opinion du monde. Il y a des gens qui me demandent ou quoi, tout le monde a une compensation pour tout ça, les temps qui doivent être là, affecté. Oui, je crois que je suis affecté. Moi-même, je suis déjà affecté. Je suis saoul, parce que je suis vieillie aussi. Je suis asthme, je suis d'autres maladies encore. Un conseil ben résident c'est que la façon qui test médical ti gagne faire patisis à cause de dise ti gagne informe avec question à choix multiple ou bien multiple choice pour répondre. Zo di ki ni autre file médical parti gagne consulter et ni même test les autres décors parti gagne faire. Membre électé de l'Assemblée nationale pour district Baie-Sainte-Anne, Churchill Gill, inaccepté qui malgré sa rencontre ben résident y en a encore certains concerns mais il dit autres poursuivre procédure normale. Tout de même, M. Guil dit qu'il est satisfait qu'il y ait quelque chose qui peut bouger. Il y a un dimoni qui peut bouger un peu trop doucement. Mais c'est moi qui ai l'explication. À cause, par exemple, PUC. Ce qui a décidé pour faire sa station, son procédure, c'est besoin de tender. Il a fini tender. Après, il y a une question de gagner manufacture dehors après pour venir. Ça, il explique, il fait autre comprendre, ça pour prendre un peu de temps. Mais c'est moi là quand nous arrivons aujourd'hui, la fin mars. Tout le monde qui est en tender pour gagner une décision pour gagner prendre lesquels qui pour gagner tender et la suite travail commence à dérouler. Même si moi tu as souhaité nous aller un peu plus vite, mais c'est moi pareil nous connaît tout quelque chose, il y en a une procédure. Alors, nous suivons une procédure et mon présence dans sa meeting, c'est piment pour faire si les habitants de Baie-Sainte-Anne, si tout le monde qui est là côté sa station d'électricité, ils gagnent ce qu'ils ont mérité dans sa négociation qu'ils peuvent faire. L'autorité de la santé publique impose un ban temporaire de bon produit la viande qui paraît pour consommer et qui est importé et sorti ici d'Afrique. Sa mesure est entrée en force depuis mardi le 6 mars. L'autorité de la santé prend sa mesure après que l'autorité de la santé ici d'Afrique a confirmé qu'il source contamination, l'épidémie, l'hystérie, si la viande transformée. Tout bon produit la viande, c'est tout polonie, ham, exocis, qui finit qui peut tirer le massé. D'après un communiqué, sa ban pour rester en force jusqu'à ce que l'autorité de la santé y informe public qui peut faire. Sa l'autorité a aussi établi un programme de surveillance pour tester bon produit qui finit entrer dans le pays. Tout test qu'il fait jusqu'à présent pour montrer l'hystérie dans son bon les sentinions. L'autorité de la santé publique peut surveiller l'épidémie d'hystérie en Sud-Afrique depuis qu'il s'est déclaré plusieurs mois passés. Tenant un peu commotion côte vieux port au matin, bon Stevedor est mécontent à cause bon agent unit antidrogue qui peut faire la fouille là-bas. Bureau unit antidrogue dit qu'il s'attire la fouille routine. Représentant bon Stevedor, Emmanuel Fideria, il dit qu'il tout quelque chose, il retourne calme et qu'il bon Stevedor pour continuer son travail pareil l'habitude. Bon matin, je gagne encore la fouille dans 7h30. On parle un membre du comité qui m'a rapporté un incident. Les mon arrivé, il y a un petit peu de commotion. Il y a l'agence NDA qui est là, qui peut faire un check random le bon du monde. Et ça a créé un petit peu de mécontentement, un petit peu de rebelle sur les bonnes voies rebelles. Mais après, nous avons assisté, nous avons discuté avec les offices NDA, toutes les choses sont calmées. Et là, tout le monde est venu pour prendre le travail. Il n'y a pas grand chose, l'incident qui peut arriver maintenant.
Est-ce qu'il y a comme si c'est quelque chose de spécifique qui va dit mon endi et in vino il y a un rapport qui en a si vous voulez certains ban dimoni servi ban substance il y a plusieurs problèmes qui ban mandataire bateau compagnie handler tel même dans nos discussions que nous faisons nous discutons clairement qui ça l'ouvrage que fait l'ouvrage dangereux et un dimoni qui ban l'influence substance il facile gagne accident pas un accident qui est arrivé et tout précaution bien prend si vous voulez qui n'a pas substance gagne entrer d'abord c'est ça NDA qui vient faire mais moi à mon opinion est-ce que la façon qu'il fait il fait bien peut-être mon quoi besoin refaire regretter qui manière nous capable organiser causer que ça bande du monde etc avant faire d'autres comprendre un système d'éducation et quelque chose qui peut arriver aujourd'hui ou demain il prend un petit peu le temps mais mon quoi du monde avant comprendre on nous fait dit bien quand tout dit mon avant corporé qui s'apporte il y a venir pour free of substance. Est-ce que ou quoi qui ou aussi comme les autres représentants ou aussi dans certaines discussions disons avec l'autorité par exemple NDA pour que qui les temps et quelque chose comme arriver il fait dans une autre façon. Mon attention à la voix bande officiers sous les quelqu'un ça etc. Nous va assiser et ensemble combien de bande du monde qui le comité Stivido nous va assiser la une solution commune nous tous ensemble the best way meilleure façon que nous capable faire pour nous capable attaque sa problème et on a une solution pour sa problème. Public aussi bien qu'ils en font l'école, ils gagnent sans visite à Yoti aujourd'hui à l'occasion de la zone porte ouverte. Cette activité est un moyen qu'à Yoti servi pour donner les formations étudiants comme adultes de l'opportunité de l'emploi qu'un en côté ça l'accompagnait. Lundi, c'est bon matin, un groupe d'enfants S5 de l'école secondaire Rivière Anglaise qui vient voir pour eux-mêmes ben l'opportunité de travail qu'à Yoti en a pour faire. L'opportunité pour travailler comme ingénieur, travailler comme comptable, directeur, technicien, laboratoire, travail de production, faire l'emballage, nettoyer ton, mettre ton en boîte parmi plusieurs les autres. Chana Emilien, Ronaldino Denis et Richie L'Espoir, respectivement, y partagent l'opinion, le quoi qu'il attise de sa exhibition. Fiche, il y en a différents secteurs comme il y en a d'autres docteurs, d'autres IT techniciens. Well, pour moi, pour un emploi, non, moi, pas plan pour un emploi, c'est mon amour plus gros ambition. Yes, mon ambition est pour venir sociologie ou un accountant. Moi, t'es ok aussi, surtout faire des affaires technologiques, tout, et puis ben processing pour moi. Ça va t'apporter un carrière là, rien. Mon copain, imagine là, pas cool. Ça qui intéresse moi plus et ça bon processus comme si tout j'ai mis quoi processus of the tuna et this ou grad pas au wallet mais il y en a plus que ça il y en a beaucoup plus que ça. Clifford Coe c'est un process improvement manager et il explique un peu mon travail qu'ils ont fait de section production. Après on a des garanties food safety ici aussi on a ban Je suis un poste pour young graduates, pour technologies qui, par exemple, on a un là, la section normale, you can see this. Il y a partout qui c'est chez loi. Bien, si nous travaillons à Kouaz, c'est chez loi, to join the food industry. Même si food industry, doesn't necessarily have to be a chef. You can be a food engineer like myself, Sony, by the GM himself is a food specialist like myself. General Manager IoT, M.C. Nicole Elisabeth, il dit qu'il y a une quantité de place de travail. Non, juste 25%, c'est celui qui travaille ici, dans sa 2200 presque. Et la porte est ouverte. Ben expat, notre contrat est terminé, il finit tous les ans, nous renouvelons. Nous renouvelons à ce que nous n'avons pas. Vraiment, nous avons accompli ce celui. Dans la factory, il y a une quantité de place dans une ben position shop floor. Et dans le middle management, il y a une position. Et expatriés aussi dans qui banque dans bio dans la position pour ces voix qui capable professionnel reliable capable apply et they will have a job. Ministre pour l'emploi madame Myriam Terimak il dit qu'il y a aussi besoin de différents moyens pour y travailler. Ministère de l'emploi il gagne bonne discussion avec Ayoti. Vous autres regardez vous autres bonnes conditions de travail vous autres bonnes travailleurs et bonnes bénéfices qu'ils ont en ce moment. Ça, la raison, c'est qui pour vous attracter, les travailler, plus beaucoup travailler, c'est moi, vous êtes capable de travailler à Yoti.
c'est un des gens qui vient de bon travail bon matin. Elle a nous contacté à Yoti avant sa porte ouverte et fermée. Responsable de communication côté Yoti, il dit un trentaine de gens qui viennent faire l'application l'après-midi. Et General Manager IoT, Nicole Elisabeth, il résit rapport comme quoi IoT peut faire grande quantité de travail, arrêt de travail et puis faire autres retours dans d'autres pays. Monsieur Elisabeth, il confirmait qu'il y en a seulement des travailleurs malgaches qui ont besoin de faire arrêt de travail à cause de problèmes de la santé. Il y a une des petites complications qui développées par le ministère de la Santé. Nous connaissons une des infections qui est capable de diminuer en masse. L'infection qui est capable de développer, mais nous ne pouvons pas quitter ça, c'est celle. Dernier fois, tu vois, la plague, Madagascar, nous avons 4 travailleurs sur Madagascar. Ça veut dire que si nous avons une petite complication qui est développée, nous ne pouvons pas quitter ça, c'est bon ici. Nous avons fait un retour, mais c'est moi qui fais ça avec le ministère de la Santé. Et à partir de Salonet, tout business qui finance formation aux autres travailleurs pour être capable de déduire sa dépense à 150%, ça pouvait dire qu'il prenait l'amendement dans Tax Business. L'étant président Danny Ford, il fait ça l'annonce dans son discours de l'État de la Nation hier. Il dit qu'il paye besoin de travailleurs étrangers à cause du niveau de développement et grosse l'économie. L'assassinat l'emploi, président Forti dit qu'il est important qu'il faudrait continuer à créer un environnement favorable pour mettre ces lois continuer à progresser dans le droit de travail. Ça dépend beaucoup de formation, dévouement et meilleure gestion ressources humaines. Pour les gens qui déjà dans l'emploi, président Ford dit moment est approprié pour relancer le pays lors un programme de formation continue. Le secteur privé prenant un rôle important. Nous décidons d'amender la loi Business Tax. Pour donner bénéfice à la compagnie qui implémente un programme de formation pour les autres travailleurs. Aujourd'hui, les secteurs touristes, la pêche et l'agriculture qui gagnent l'avantage fiscal de la business tax. Les autres financent la formation pour les autres staff. Nous décidons de donner ce bénéfice aussi à tout business dans tout secteur. Que tout business qui paye formation, c'est-à-dire l'entraînement, pour son bon travailleur, est capable de déduire sa dépense à 150%. Ça mesure pour prendre l'effet à partir du 1er avril de l'année. Nous pouvons aussi amender la loi Income and Non-Monetary Benefits Tax pour retirer taxe qui gagne appliquer le bénéfice qui employeur et donne travailleur pour training. Toujours la situation d'emploi, président Ford dit qu'en mesure que le pays progresse, que l'économie avance, qu'il y a plus de développement et plus de demande pour main-d'œuvre. D'après statistiques plus récentes, bureau statistique de l'emploi, il y a en moyenne 48 195 personnes dans l'emploi formel, ça signifie 17 757 étrangers qui ont permis de travailler. Aujourd'hui, stricte l'économie développée, et pourcentage travailleurs qui travaillent dans le gouvernement est 21%. Banque qui travaille dans la compagnie paritatique est 16%. La majorité des travailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire 63%, ils travaillent dans le secteur privé. Monsieur le Speaker, la quantité de monde qui est enregistré pour avoir un emploi est 1778. Ça veut dire que si chacun des autres remplace un étranger aujourd'hui, tu pourrais rester 15 979 étrangers le permis de travail dans l'emploi. Niveau développement et grosseur de l'économie, il montrait qu'il y en a plus de place de travail qu'il y en a cessé loi qui peut rôder travail. Pour sa raison, pays besoin de travailleurs étrangers. Président Danny Ford indique qu'à partir de novembre salonnais, c'est ses lois pour capable assister pas dans la compagnie CPEC. L'étant étipé dans l'explication, le s'assise dans le discours de l'État à la Nation, président Ford dit qu'il a qui bon tanker puis fait bien, c'est ses lois capable de bénéficier avec son succès. Dans l'année 2000, le gouvernement prend une décision pour investir dans tanker. Et premier tanker, il construit en 2002. Ça, à l'époque, nous tenons contrainte de devises étrangères et nous t'y prenons l'aune pour repayer tanker. Il n'est pas facile.
nous persévérer. Et aujourd'hui, nous arrivons à repayer tout nos manlon. Aujourd'hui, c'est PEC, il y a la compagnie qui peut faire très bien. Le gouvernement a décidé que le moment est arrivé pour cesser loi, jouir le succès qui nous l'accompagne peut faire. C'est pour sa raison qu'à partir de novembre de l'année, 20% part de la compagnie CPEC pour gagner privatisé. Seulement cesser loi qui prend un droit à ce part là-dedans. Après le discours de l'État de la Nation qui est président Forti fait hier, aujourd'hui, SBC, il y a le rôle de l'opinion publique dans sa discours. Il n'est pas facile de gagner du monde pour causer, mais tout de même, nous sommes capables de gagner certains points de vue. Dans son discours, l'État de la Nation, président Fort annonce l'augmentation de 100 roupies, la pension retraite ban di moun aze, et aussi l'augmentation de 100 roupies, le salaire minimum, sorti 5 050 roupies pour 5 250 roupies à partir de janvier 2019. Ça y dit, de 4 efforts gouvernement pour mettre plus l'argent dans l'emmène de ces lois, et là, si tout, pour ban qui gagne plus affecté par sa haut niveau coût de la vie dans le pays. Ton salaire minimum est trop bas. Trop bas. Quand pour la vie, quand tu salaire minimum est trop bas. Là, ça augmente à 100 roupies, mais moi pas tout lit assez. Pareil comme moi et madame qui moi paye la case, moi dans l'eau, de l'eau la lumière, bicine montée. Alors, il pas assez pour vivre. Les mon paye tout ça là, et puis dans la case pour moi vivre, point de moi. Président, il a aussi dit qu'il pourra pas taxer business l'Olens à partir des premiers idiots salonnés. Pareil, une petite taxe l'Olens. L'Olens, nous passons tous les jours. Mais le côté bonne provision pour la case, même si il y en a une baissée. Mais mon quoi, tu plus beau, tu tout à cause nous besoin nourrir tous les jours. Nous besoin de manger, les enfants pas à l'école, parents dépensent beaucoup. Quelque chose, c'est, il y a quoi, c'est. C'est sérieux, quoi, style, beaucoup c'est. J'ai mangé pour décembre, tous les jours que je suis mangé, je monte la boutique. Tous les jours que je suis mangé la boutique. Président Fort, il a aussi dit qu'à partir de novembre, salonnais, gouvernement pour privatiser 20% part dans la compagnie CPEC, bonne part qui pour gagner vendre ZIS avec ces lois. Ça qui plie misère, il plie misère. Ça qui plie en a, il plie en a. La guette Paris CPEC. Ok, vous avez dit qu'on m'a pour dire non pas de CPEC qui parle gagner vendre. Mais finalement, ben si malgré pas pas sympa à cause plutôt ça ben tank pas autrement pétrole c'est seul at least le peuple c'est cela entier va bénéficier quelque fois pour y avoir descendre un peu plus bas. Président Fort, il aussi annonce certains nouveaux projets comblaze dans certaines régions la côte Mahé et Pralin pour créer plus l'espace pour développement business et aussi la case. Bien avec les que c'est la côte qui demande à être casée et donc peut combler parce qu'on aille bonne poisson va être coordonné avec 14 ans de la Kouaïdi. Nous pouvons sustainable development, nous pouvons l'économie. Mais ça peut affecter tout ça. C'est ça. Il faut affecter à cause longtemps, moi je veux quelque chose. Et puis là, c'est toi, l'esprit dans son pain, c'est brisant, entier. Pour tu vois, comme on a un marau, et puis l'air, pas qu'on est marau. Mais pour nous, un marau, bon, puis les temps. Pour nous, on a une quantité de débit dans cette toile, c'est dans son pain. C'est un grand récif pour les gens. Mais toi, récif, il est comblé. Un poisson là, pour rester là. Caca, toi, cordon, il peut rester là. Président Fort indique qu'il étudie la faisabilité projet tunnel incomplété et possible pendant un tunnel pour connecter Cascade avec Grand Anse Mahé et un entre Beauvallon et English River. Nous un pays granitique, ça compte gros quand on prend un tunnel, quand vous finissez en 100 ans. Dans 100 ans, tunnel vous finissez. Ça y est, qui ou quoi? Oui, comme on est aussi. Président Fort aussi demande l'Assemblée nationale pour donner un support, poser assomption et ratifier l'agrément qui Cécile l'insigne avec l'EN, qui dit à dans l'intérêt Cécile, vu qu'il pour Edli protège son grand espace maritime contre une activité illégale, pareil trafic de drogue. Concernant l'assomption, qui me croit, ça y est, concernant qui me. Les peuples qui méritent de décider, quoi, ils méritent un référendum. Même l'Assemblée nationale ne mérite pas de prendre une décision. Là.
Je crois que nous, en général, nous devons prendre la décision. En général, est-ce qui sa discours l'état de la nation insatisfait l'expectation même public? Si vous écoutez, il me pose qui même question. Content de la bande dernière temps. Maintenant, il y a un nouveau, il y a comme ce qui est substantiel, ou bien qu'on a tient quelque chose de concret là-dedans. Nous, ce que nous respectons, c'est plus une action, quelque chose de concret. Si je vous dis, en général, sa discours, je vous dis, il peut essayer, mais seulement il passe avec nous, et je ne crois pas qu'il peut à cause de la bande concrète qui nous dit. Demain, il y a la journée internationale Bonne Madame et plusieurs organisations nationales qui ont pour faire avec Bonne Madame. Ils envoient un message pour commémorer sa l'occasion. Thème Nations Unies à l'année pour célébrer le travail remarquable et sans cesse pour Bonne Madame qui déboute et la lutte contre bonne l'injustice et inégalité dans la société à travers le monde inclusive. Dans son message pour sa l'occasion, président de la République Danny Ford indique qu'il Cécile, il joue ensemble avec tout bon pays à travers le monde pour célébrer le rôle remarquable, contribution et l'accomplissement bonne madame partout et réaffirme nous l'engagement pour égalité entre hommes et femmes à travers le monde. Président Ford dit qu'il thème national pour la journée bonne madame salonnée, il défie l'opportunité pour accomplir l'égalité entre hommes et femmes et renforcer capacité bonne madame dans bon petit l'état-zil qui est développé. Dans son message, président Ford dit qu'il sait celle comment un petit état d'asile qui peut développer, il fait beaucoup progrès pour réaliser droit bonne madame. Il fait ressortir que nos constitutions et régulations est basé le principe fondamental égalité l'opportunité et respect pour tout le monde. Président il dit qu'il dans nous la cour, l'endroit de travail et dans l'école, bonne madame et une fille, il gagne valoriser même pareil bonnes hommes et garçons et qui sait l'accomplissement qui fait Cécile fier. Président Ford demande tout le monde pour reconnaître qu'il est bonne madame et une fille, il gagne plus l'opportunité pour développer l'école, comme un pays, nous peut aussi avancer pour plus de développement. Dans son message pour la journée bonne madame 2008 mars, chairman conseil national de la famille Cécile, Robert Moumou, il fait remarquer qu'il est temps pour prendre action, il a et bonne madame il besoin des bouts et forme partie sa quantité la voix et azan pour changement. Il dit qu'il plaise madame pour gagner entraîné et pris dans l'alcool, la drogue et les autres activités sexuelles qui commerciales, aussi bien que l'augmentation dans l'encêtrement en balase. Lorsqu'on parle, madame de Sheila Bastienne, chairman association de madame l'Union démocratique Cécilois LDS, il lance l'appel pour que tout madame Cécile gagne reconnaître comme un bon pilier de nos sociétés et qu'ils autres rôles il gagne prend en considération le développement pays à tout niveau. Thème qui c'est l'association choisi, ils sont même sans haine qu'ils ont pu servir pour ça l'on est, Press for Progress. Sa thème peut cause le faire plus d'efforts pour si mon bon défi et bon obstacle qui peut retarder le progrès, spécialement bon problème social. Dans son message, Mme Bastienne demande tout bon madame pour venir plus déterminée en servant l'influence et la force pour amener plus de progrès dans l'endroit de travail, dans la famille, dans la communauté et dans le pays en général. De son côté, secrétaire général parti du PEP, Madame Marc Souzimondon, lui indique qu'il est bonne Madame Cécile pour célébrer l'accomplissement. Je devrais aussi imaginer notre banseur qui encore peut faire face avec beaucoup de défis et coster ensemble pour donner un support et un mot d'encouragement. Il dit qu'ensemble, bonne Madame est capable de faire une différence. Dans son message, pour l'occasion de la fête de bonne madame demain, madame Mondoin aussi fait sortir que bonne madame Cécile Wayne a eu l'opportunité pour épanouir et pour participer dans une décision qui affecte nous la vie, la vie de nos enfants et pays en général. Il dit que nos pays regardent vers bonne madame pour continuer à promouvoir bonne valeur et maintenir nos acquis sociaux. Il demande bonne madame pour continuer à tenir fort pour notre famille, notre bien-être notre communauté et pays. Ambassadeur Ilan pour Cécile, M. Paul Sherlock, qui nous rend une visite courtoisie, président Ford aujourd'hui. Pendant sa entretien, ambassadeur Sherlock, ensemble avec président Ford, il discute de la façon qu'Ilan est capable de Cécile. Vu que Cécile et qu'Ilan est député d'asile, ambassadeur Sherlock dit qu'il y a des secteurs plus importants pour le développement de l'économie et le secteur tourisme et la piste. Ambassadeur Sherlock aussi dit qu'il est important pour comprendre les moyens pour tirer plus de valeur de sa secteur. In the area of fisheries, you know, Ireland is also an island, and fisheries is an important part of our economy. Also, we're constantly just looking about how best to get greater value added from the fishery sector. So when we take it together, the fisheries, we take the tourism, and we take our rural communities as one, what we see is this great kind of
how they can work together better. And I think there's similar issues here in the Seychelles about how best to get the greatest value as such out of the fishery sector, out of the tourism sector. Et voilà, nous arrivons à la fin du bulletin nouvelle pour aujourd'hui soir. Mais je vous remercie beaucoup pour l'attention.